Jazz Correa s'est une fois de plus retrouvé dans une drôle d'histoire. L'influenceuse qui vit à Dubaï avec sa famille, a décidé de passer ses vacances en France. C'est à Cannes qu'elle s'est retrouvée avec son compagnon Laurent et leurs enfants. Mais alors qu'elle profitait de moments en famille à la plage, Jazz affirme s'être fait agresser. Jazz Correa @Instagram agressé devant ses enfants. C'est via sa story Instagram que Jazz Correa a décidé de prendre la parole pour dénoncer le traitement auquel elle a eu droit sur une plage de Cannes. Je me suis fait agresser gratuitement dans une plage par la femme d'un des patrons. Celle qui s'est rendue à cette plage 2 jours consécutifs, n'avait rien à reprocher à celle-ci jusqu'à ce que la femme d'un des patrons ne débarque. Il y avait un kids club, tenu par la femme d'un des patrons des lieux. Je pense qu'elle ne pouvait pas se voir ma gueule ou voir mes enfants. Point, je vois qu'elle s'agite avec mes enfants en leur disant, asseyez-vous. Vraiment elle leur hurle dessus. Jazz serait alors venu lui dire que ses enfants ne parlent qu'anglais et ne comprennent donc pas ce qu'elle disait. Là elle a démarré, déjà vous m'avez fait CHR hier. Sortez de chez moi, casse-toi d'ici, truc de fou. Défendue par les personnes qui se trouvaient à proximité, Jazz a ajouté, elle m'a vraiment agressé. Elle m'a mis front à front alors que je suis enceinte, tout ça devant les enfants. Point, quand son mari est arrivé et que j'ai vu que lui non plus ne réagissait pas, j'ai pété un câble. Je l'ai insulté à mon tour en lui disant que c'était une grosse sénonée. C'est finalement l'associé du patron qui s'est excusé. On aurait également confié à Jazz que la femme du patron était un poison, comme je ne suis pas aussi débile que je ne vais pas donner le nom de la plage. A-t-elle ajouté, en particulier pour l'ensemble du staff et l'associé du patron qui était hyper gentil. Victime de remarques racistes alors qu'elle était avec son très bon ami Hermine, Jazz Correa affirme avoir entendu des remarques racistes lors de son séjour en France. Ses propos auraient été tenus par des hommes d'une soixantaine d'années. Ça m'a vraiment choqué. Elle affirme ne pas voir ce genre de comportement à Dubaï. Qu'en pensez-vous ?